Jean-Luc Reichmann bientôt sur C8. Cyril Hanouna répond dans TPMP. Jean-Luc Reichmann va-t-il bientôt rejoindre C8 ? C'est Cyril Hanouna lui-même qui a donné la réponse dans l'émission Touche pas à mon poste de ce mercredi 31 janvier. L'animateur des 12 coups de midi pourrait-il prochainement animer un jeu sur C8 ? C'est ce qu'il a laissé entendre dans une interview accordée à Puromediacom. Très courtisé par les chaînes concurrentes de TF1, Jean-Luc Reichmann a en effet déclaré, on ne va pas le dire, mais vous le savez, Cyril Hanouna, nœud de la rédaction, m'a approché. C'est un copain. Je le respecte infiniment. Surpris et touché par la proposition, le compagnon de Nathalie a ajouté, c'est plutôt agréable d'être sollicité, plutôt que de ne pas l'être. Alors sera ou sera pas sur la chaîne de Cyril Hanouna ? C'est l'animateur lui-même qui a donné la réponse. Dans l'émission Touche pas à mon poste de ce mercredi 31 janvier, Baba a en effet confirmé qu'il avait déjà approché Jean-Luc Reichmann pour un jeu sur C8. Je vais vous dire la vérité, je l'avais sollicité, Jean-Luc Reichmann, pour faire un jeu le midi, pour se concurrencer lui-même sur TF1, a avoué Cyril Hanouna. C'est vrai. On était en discussion et finalement, il a préféré rester sur TF1, a ajouté le fils d'Ange Hanouna. Jean-Luc Reichmann ne rejoindra donc pas la famille C8. On le retrouvera toujours à l'affiche des 12 coups de midi, mais également au théâtre dans la pièce Midi Vresse aux côtés de Thierry Lopé et Stéphane Boucher. Anna mi ha proprio stregato, aveva raccontato il ragazzo a Novella 3000.